Now I finally know what you mean about strength of heart. Mine comes from Donald and Goofy. Come again? If we stick together, we're unbeatable. Not even Hercules stands a chance. With these guys beside me, I'm ready for anything. But that's not exactly what... Of course. Your friends give you strength. Isn't that right, Phil? The three of you together make great heroes. And as a team, I'm sure you can overcome anything. Okay. Donc c'était bien la coupe Pégase que je devais faire, j'avais raison dans la dernière vidéo. Par contre je pensais que c'était à moi de l'ouvrir. Alors j'ai fait la coupe Pégase, je l'ai fini. Je m'attendais pas à une cinématique en fait, c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que je m'attendais pas du tout à une cinématique. Bon, c'est arrivé du coup, si vous êtes rentré dans la vidéo et que vous avez eu directement une cinématique, je suis désolé de vous avoir surpris, mais moi ça me choque en fait, je m'y attendais pas du tout à ça. Mais bon, voilà, bon bah, du coup, bonjour tout le monde, c'est les Mikoupa et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Kingdom Hearts. Et du coup c'était âme de héros, ah ouais mais maintenant il pue la merde quoi, il aurait pu nous mettre tellement bien avant, mais maintenant il pue la merde quoi. Bon bah, au moins ça me fait une Keyblade en plus, je vais pas trop me plaindre. Ah oui c'est Rose Éternelle que j'ai. Putain, on en a tellement de Keyblade. Bon bah du coup je suis un peu déçu d'avoir fait ça, mais au moins ça m'a augmenté. Oui, Donald a gagné un niveau d'ailleurs, hein, voilà, il est niveau 53 maintenant. Ah bah je suis bientôt. Bah du coup je vois pas ce qu'on peut faire aujourd'hui à part. Alors certes on peut faire un truc. On peut faire ça. Surtout que j'ai même pas eu le temps d'aller regarder de mon côté parce que je m'attendais pas en final à ce qu'on ait une cinématique. Je m'y attendais pas. Du coup, bah, j'étais pas prêt mentalement pour lancer la vidéo. Là, je l'ai lancée d'un coup. Hein. Dès que j'ai vu qu'il y avait une cinématique, je l'ai lancée. Du coup, là, bah, pour ça, on va pas le faire maintenant. Par contre, on va aller sur Traverse parce que j'aurai quelques trucs à faire déjà. Ouais. Bah déjà oui, on va peut-être aller voir les deux chiens quand même, on va se faire plaisir à aller les voir, les chiens. Mais en même temps, il y a quelques petits trucs qu'on va aller voir ici, là tout droit, aux accessoires. Oui, donc en anglais ça se dit comme ça, accessoires. Un peu décevant mais bon. Ouais, du coup, juste on va aller voir dans la synthétisation des trucs, s'il y a des trucs intéressants à synthétiser. Parce que qui sait après tout. Voilà, c'est ça que j'ai envie de synthétiser, mais j'arrive pas à voir la gemme feu. J'arrive pas à la voir, c'est affreux. C'est le seul truc qui me manque, et après, j'ai le badge mog. Et le badge mog est très, très cheaté. Il est très puissant, il te donne le badge mog. Ça peut augmenter votre vie, vos MP, votre PC, et sûrement votre attaque et votre défense. C'est juste énorme, tout ce que ça peut augmenter. Vraiment, c'est énorme. Du coup, imaginez, on le met à Dingo ou à Donald, par exemple. Plus Donald, parce qu'il pue la merde, quoi. Ah bah, on est bien, hein. On le met à Donald, ça y est, on a gagné. Ah, le jeu, on le finit directement. Alors, bah, ça, on va le vendre, hein, du coup. Ça aussi, il nous sert à rien. Marteau de fer, j'ai juste envie de voir. Donald, t'as quoi comme arme? Ah, masse fatale. D'accord, bon on va le vendre. Ça nous fait de l'argent, vous plaignez pas. Hein. Quoi vous plaignez pas? Bah plaignez-vous maintenant. Oui, il y a ça que je voulais acheter, c'est vrai, mais. Et ça pourrait être énorme. Hein. Ça augmente l'attaque et la défense. J'aimerais en acheter un quand on aura l'argent, mais ça va tellement nous ruiner que j'oserais même pas le faire en fait. C'est un truc que j'oserais sûrement jamais faire. Du coup, oui, avant d'aller dans le monde, j'ai quand même, parce que je sens que ça va être assez galère, du coup, on va aller voir Sid pour qu'il nous aide à... Menugumi, voilà. Pour qu'il nous aide à améliorer notre vaisseau. Assemblage. Ouais, faut... Bah, la résistance, elle est déjà énorme. Hein.
Ah non, ok. Moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Vaisseau, modèle. D'accord. On va essayer de le... Vous n'avez pas tous les blocs nécessaires, mais bande de connards, c'est le mien. Attendez. Voilà, on va faire des trucs pour qu'on ait plus de vitesse ou plus de défense. Hein. Mais là, on a que des trucs décoratifs, ça pue la merde. Bah non, mais moi, je m'en fous des trucs décoratifs. Laser à ricochet. Ah. Elle augmente un peu la manière... Permet d'attraper des objets éloignés. Ça, c'est très intéressant. Non, très bien comme ça. Voilà, elle a point. Ah, fuselage de grande résistance. Ça, c'est un truc dont on a énormément besoin. La résistance, c'est un des meilleurs trucs. Ah, merde. Fuselage de grande résistance, fuselage 3. Non. Ah. Petit réacteur de faible puissance. Ah ok, non, on peut pas le mettre à cet endroit. Il y a trop de réacteurs, augmenter la puissance de l'ordinateur. Je vois pas ce que c'est. Ah ok, je crois savoir ce que c'est. Ok, on l'enregistre. Bon, bah il a toujours une vitesse de merde, mais au moins... Ah ok, l'ordinateur, je vois de quoi il parle. Oui, je l'avais vu hors vidéo. Toi, je vais t'acheter un truc, mon pote. Ordi niveau 3. Ça fait mal au cul, hein. Mais au moins... Très bien, la poche prochaine. Voilà, ici. Maintenant qu'on a acheté... Ah ! Quand même ! Là, on peut faire des gros trucs. Attends, du coup, j'ai envie de voir sur lui. Ça change rien. Non. Quel con. Ah, c'est marrant. Il n'y a plus de... Ah non, merde, oui. Voilà. Voilà, comme ça au moins, je l'enregistre. Et il a une plus grosse résistance. Voilà, comme ça au moins on est cheaté, on est parfait. Par contre, il y a des petits trucs qu'on va aller... bon, d'accord. On va screener. Clairement, c'était pas ce que je voulais faire pour cette vidéo, mais je pense que Donald comme... Dingo en ont besoin pour avoir plus d'attaque et sûrement de la défense d'ailleurs. On va se trouver le cul pour eux. Ah ouais, mais merde, je sais pas de qui. Ah. Targe de platine. 2800. Ok, faut trouver un truc qui a l'équivalent de 2800 ici. Juste déjà pour pas que je me faille, il faut que je regarde qu'est-ce qu'ils ont comme arme. Équipement. Masse fatale, et toi t'as la targe d'Hercule. Bon, toi n'importe quoi ça peut t'aller, mais toi t'as la masse fatale, d'accord. Donc ce qui coûte un peu cher, mais qui... Bâton de salle... Ah, augmente les MP max de 1 point, et aussi efficace en tant qu'arme. Ah oui, mais non. Bah oui, diminue les MP max de 1 point, puissant marteau. Ah, là, ça augmente les MP max. Ouais. Bah, on va prendre ça, hein, du coup.
parce que c'est le moins cher et puis ça augmente pour Donald. Non. Et là, tarte de platine, en espérant que c'est pas de la merde, parce que je sais qu'à la revente, ça va être extrêmement nul. Oh non, putain. Bon. Mais non, mais c'est ça qui est relou. Oui, les MP, c'est bien pour Donald. Il a besoin de MP, mais ça baisse tellement d'attaque. Non, bah on va le vendre. Hein. Dingo. Oh putain. Mais c'est quoi ces choix de merde que je viens de faire, là? Quoique, je peux peut-être... Juste, j'ai envie de voir ça va se revendre à combien du coup. Parce qu'on va pas se mentir, c'est de la diarrhée ce qu'on a pris. Ah d'accord. Je veux la jouer comme ça le jeu. Tu veux la jouer comme ça? Bah j'ai un meilleur truc, espèce d'enfoiré. Attends, c'était quand la dernière fois que j'ai sauvegardé? Non, c'était quand? Ah. Ah oui, c'était avant le combat contre Hercule. Ah. Merde. Bon, c'est pas grave, tant pis, on va... Tant pis. On va revendre. Ça fait mal au cul, je vais pas vous mentir. Mais on s'en tape parce qu'on va aller dans le nouveau monde, et ça c'est cool. On va surtout le découvrir. Mais en vrai, pour Donald, les MP, c'est ce qu'il faut le plus à Donald. Dingo, il lui faut énormément de vie. Donald, il lui faut énormément de MP. Et Sora, un peu de tout. Un peu des deux. Mais... Quoi? Sora, vous savez, on débloque un nouveau chemin. Ah, non, c'est pour nous mettre ici, d'accord. Attends. D'accord, donc je dois passer là. Ok. C'est vrai, faut faire un truc comme ça. Bon, on va voir la résistance au moins. Là, on sait toujours pas c'est quoi la résistance, hein, notre truc. On a mis que des trucs de grosse résistance. Et là, on va le voir pendant qu'on découvre ici. Ah oui, quand même. Ah là, on a... Putain, la résistance de fou. Mon Dieu. Bah, on se prend limite. J'ai envie de me prendre un ennemi à la gueule pour voir. Ouais, en plus là. Oh putain de merde. Oh les petits bruits. Ouais non là par contre on perd pas mal d'attaque. Par contre le bleu, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Faudrait que je regarde sur internet, mais j'avoue que je vois pas quoi ça sert. Genre je sais que c'est énormément augmenté, mais je vois pas à quoi ça sert, c'est affreux. Clairement au dernier monde là, on est vraiment en train de jouer. Ça y est, là on est en train de jouer. Et si c'est le cas, sachez que Orc est énormément XP. Là quand moi je tourne la vidéo, on est quoi le... Attendez, je regarde comment on appelle. On est le 23 janvier. On va sûrement dans un mois de pile, ou dans un mois et quelques jours, je sais pas. Sachez que clairement... j'ai le temps là, j'ai clairement un mois pour XP de mon côté là, hein. C'est énorme. Là je peux... Genre là on est quoi dans les niveaux? On est dans la cinquantaine de niveaux. Contre vers le boss final, vous savez qu'il y a des chances que contre Vera, je serai dans les niveaux 70-80 tellement j'ai XP ni cassé le cul. Et surtout je rechercherai des astuces, genre comment tuer Sephiroth Allez. Comme ça Sephiroth je le tuerai plus facilement et puis en plus bah, il donne énormément d'XP Sephiroth. Et putain qu'est-ce qu'on en a besoin d'XP, hein. Et vous savez qu'on en a vraiment besoin. Après c'est juste la belle technique quoi. Et ouais, je chercherai sur internet pour savoir comment le faire le plus facilement possible. Tout ce que je souhaite c'est qu'on me dise pas pour battre Sephiroth il te faut juste beaucoup de vie ou faut que tu utilises énormément soin et rafale, parce que déjà c'est tout le plus logique. Il
surtout, j'espère justement qu'il faut pas faire spammer que Rafale et autres, hein, sinon c'est de la merde en plus. Comment tu veux te battre? Enfin non, peut-être pas spammer trop en fait, avec Clochette, mais je comprends. Je crois que Clochette, le truc, c'est qu'elle donne pas énormément d'un coup, quoi. Genre elle en donne à chaque fois, hein. C'est pas énorme, c'est un peu nul contre un boss comme Sephiroth. Genre des boss normaux, tu t'en tapes. Des boss comme Sephiroth qui te tuent en deux coups, non. Clochette, elle va rien faire, elle va servir à rien. À part faire perdre des secondes avant pour combattre pour Sephiroth. Mais je sais pas. C'est affreux. Je chercherai sur YouTube sur Google comment le combattre, parce que j'ai peur. Enfin, il tue en deux coups, il fait peur le mec, hein. C'est pas un petit joueur quand même. Et ça change des lignes. Ah ouais mais non sur c'est vrai qu'il y a une bug sur la tête sur Snake. C'est vrai que c'est pas. Bah même sur la F7 remake, malgré que j'avais un haut level, c'était quand même assez dur cette période. Malheureusement je pouvais pas filmer parce que ça disait ouais enfin ça mettait un truc de merde en mode comme avec les cinématiques dans Sonic Forces en mode ouais t'as pas le droit de filmer parce que scène coupée enfin non c'est pas scène coupée mais ah j'ai oublié comment c'est. C'est affreux. Même ça le faisait sur son rapide uniquement quand même ça disait ouais tu n'as pas le droit de filmer parce que le droit d'auteur n'a pas le droit d'auteur en soi parce que si c'était le droit d'auteur on m'en fait dès le début de streamer enfin de le faire en vidéo. Mais c'est quand même ultra frustrant le truc de Square Enix de ce qu'ils ont fait parce que en mode t'as le droit de filmer tous les jeux, tous les chapitres, mais le dernier chapitre qui est 18, tu n'as pas le droit de le faire. Je sais pas pourquoi. Imagine. Alors, le pire c'est qu'en plus, avec les vidéos que j'aurais pu tourner, jusqu'au crédit du jeu, honnêtement, ça aurait pu terminer les vacances d'été. Hein. Et du coup, à la rentrée, les nouvelles espèces comme Mario 64 et Ocarina of Time. On est arrivé. Putain. Ah oui, d'accord. Non, mais ouais, allez. On est à la fin du monde. Et ben voilà, on est à la fin du jeu et à la fin du monde. Ah, trophée obtenu, as du pilotage. Je prends pas de risque. End of the world. Oh mon dieu. J'ai tellement peur que le boss final c'est maintenant, genre. Imaginez le début. La fin du monde. Oh la musique, je l'adore. C'est tout ce qu'il reste des mondes pris par les son cœur. Oh, il y a pas mal de coffres par contre. Ces mondes vont renaître si on bat Ansem, hein. Mais si on arrive à le battre et que tous les mondes sont restaurés et séparés, qu'est-ce qui va arriver à cet endroit et à nous? Ma foi, c'est un monde de son cœur, alors peut-être qu'il va disparaître. Mais pas de panique, même si cet endroit disparaît, nos cœurs n'iront nulle part. Bon, bah, ça va. Nous attendons qu'on retrouvera nos copains. Ouais, ça, j'en suis sûr. Yeah, you're right. T'as raison. On a peut-être dû aller voir Kairi avant. Je dois lui rendre. J'ai promis. Mon dieu, j'ai tellement envie d'arrêter la vidéo maintenant, mais elle est tellement courte que j'ose pas en fait. Ah, je pensais que c'était du vide, ça va. Ah merde, d'accord. Un trou noir, ok. Ah non, plein d'ennemis à combattre par contre. Mon dieu. Je tiens à dire qu'après cette vidéo, je vais sûrement faire énormément d'action de mon côté. Hein. Sûrement, vous êtes conscient que si bizarrement les ennemis, on les fume, ou que les vies des personnages et leur MP ont augmenté, vous savez pourquoi. Vous êtes conscient. Attends. Brasier X. Là, ah mais c'est la musique que Sakurai a mis dans le direct, je m'en rappelle, cette musique là, vous l'avez surcoupé. Bah oui, il a clairement mis cette musique là, putain mais quelle musique. Oh là là, mais quelle musique parfaite. Bon attends, si je peux ouvrir mon coffre. Hein. Bah oui. Oh, un objet. Bon ok, ça pop. La potion plus, le vent déchaîné, je sais pas quoi. Non. Aïe.
Aïe, mais connard. Quoi? Qu'est-ce que... What? Ah, ok. Bout de mithril. Ah, d'accord, en fait, à chaque île qu'on va aller, on va combattre des ennemis. Ok, je comprends. Dans la logique, c'est ça, hein. Là, si on se prend encore une boule... Ah bah non. À moins que c'est aléatoire. Ah, d'accord, non, en fait, c'est vraiment ça à chaque fois. Allez, toi, t'es ma pute. Pas de coffre. Jolie pierre. Attendez, ça m'intrigue parce que c'est bizarre. Ah, t'es là, la jolie pierre. Elle n'a pas d'utilité particulière, mais semble avoir un peu de valeur. Ça va la revendre, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je vais la revendre. Par contre, il y a un truc là qui va vite m'énerver, c'est qu'on a plus de vie. Alors, voilà. On va être cheaté. Comment ça? Ah ok, oui, il fallait faire ça en fait. Ah non, méga potion, d'accord. Logiquement, on n'a plus de mur invisible maintenant. Ah, mais c'est fait exprès qu'on nous donne tous ces coffres. Comme ça, c'est des soins et des objets. Pour battre le boss final plus facilement, je pense. Et en même temps... Ah non, mais là, c'est un boss, en fait. Ah, c'est la version évoluée de celui qu'on a battu. Bah oui, clairement. Ah, c'est sa version évoluée. Version évoluée, mais toujours aussi simple à combattre, hein, par contre. Ah bon, toujours aussi sympa à combattre. Mais tant mieux, ça nous fait XP gratuit, on va pas se plaindre. Regardez. Ah le bâtard. Mais mal l'enfoiré. Allez, meurs. Ah. Mais il lui reste un coup. Une pichenette et il meurt. Voilà. C'est cool. Allez, hop 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 hop. Ok, on arrête. Du mithril. Ouais, en fait, c'est juste pour qu'on gagne de l'XP et que... Ah, bientôt niveau 56. Non, mais vraiment... De toute façon, après cette vidéo, moi, je vais retourner en arrière pour sauvegarder et faire de l'XP de mon côté. Hein. Et on reprendra là, sûrement les ennemis on les battra de toute façon encore. Ils sont ce qu'on a fait. Toi tu m'emmerdes. Allez, hop. Voilà, tu vas pas me faire chier longtemps toi. Et toi aussi tu vas pas m'emmerder longtemps, mais nous allons. Nous de bazar. Oh putain, toi tu vas crever mon con. Attendez, je peux le prendre toi? D'accord, je peux pas prendre. Ah non, c'est des pierres. Non, c'est des coffres. Élixir. Ouais, en fait, c'est pour nous faire de l'XP et en même temps nous donner des objets. Imaginez, il y aurait des... Tant déjà un doute là. Bah, en même temps que je ferai de l'XP, je pense que... Ouais. J'irai à la forteresse oubliée pour les faire. Et j'irai regarder sur internet les 4 derniers triosos à faire, comme ça au moins ça nous fera plus d'objets à avoir et du coup plus de puissance en soi. Bout de mithril, parfait. Mais moi je veux des gemmes feu, j'ai besoin de gemmes feu pour avoir des badges mog, comme ça je suis puissant et je défonce des races. Comme lui là, je lui défonce sa mère. Voilà. Aïe, par contre là, je vais me faire des... Aïe. Bon, là, je me suis fait défoncer ma mère, mais bon. Non, en vrai, on est où, là? Ah, quand même, on est assez loin, hein. Ouais, donc c'est là-bas la fin.
Ouais, non, c'est mieux qu'on fasse encore quelques combats parce que supposons que y a une cinématique après, bah en soi on pourrait le faire au prochain épisode. D'accord, bon bah tant mieux. Ah non, c'est quand on se fait toucher par les boules noires, je suppose. Non, même pas. Oh, cette violence, mon dieu. Oh putain. Oh yes, un laser. Mais vous savez que là, on va... Je vais leur mettre énormément de soins. Hein, quand on va final. Non, pas moi. Ouais, c'est bien. Donald, casse-toi. Oh, un coffre. Coucou, monsieur coffre. Caca. Jolie pierre. Vous savez qu'on va vraiment les revendre. Hein. Et si ça me donne énormément de thunes, prochain épisode, ils ont des nouvelles armes, les deux. Hein. Vous êtes conscient de ça, j'espère. Tant mieux, un pavillon. Hein. Qui ne rêve pas d'avoir un petit pavillon pour vivre? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, moi je veux aller là-bas, oh. Non. Moi je veux aller là. Allez, meurs, putain! Yay! Salut les mecs, vous faites quoi? Je vous aime. Vent déchaîné. Mais c'est quoi le vent déchaîné? C'est vrai qu'on l'avait eu, mais c'est quoi? Vent déchaîné. Ah voilà. Cristal de sentiment de rage concentré sert à... Bah oui, du coup, je m'en doutais. Putain, on en a un des... Ah, il est là, le dernier. Bah du coup, on aura tout fait, là, hein, quand on y repense. Du coup, ouais, je vais peut-être aller à la sauvegarde, là. En soi, dites-vous qu'à la base, je voulais couper la vidéo, mais vu qu'elle paraissait trop courte, je voulais pas. Mais finalement, 30 minutes, bon, bah... Si on n'a pas de cinématique après, ouais, la vidéo sera en tout quoi, 30 minutes, 32 minutes, donc c'est plus rien. Ah, éclair, il y a bien. Yay! Je vous aime les mecs! Surtout toi, petit canard. Petit foie gras, bonus PC. Attendez, déjà juste les PC. J'en ai 24, il en a 19 et il en a 21. Donald, t'es gagnant. Ah bah non, bah c'est le jeu, hein. Il en a pas beaucoup, c'est le gagnant, c'est tout. C'est, j'avoue que c'est très rageant. On est à 26 heures de jeu. Hein. Par logique, là, on lui en l'a fait, on a tout fait là-bas. Ok, bah je sais, c'est très stressant pour vous comme pour moi. Mais en soi, je me dis que vu qu'il y a des chances qu'on va se faire déboîter pour le boss final, alors parce que je pense que c'est là. Hein. On arrive au boss final, là, ça y est, on y est. Le monde dans lequel on est s'appelle End of the World. Si c'est pas le combat final, je comprends pas. Hein. Putain de labyrinthe invisible. Non mais c'est vraiment une idée de con d'avoir fait ça, hein, vraiment. Vous voulez vraiment me forcer à aller là-bas, bande d'enfoirés? Ok, on fait du sur place maintenant. Non, 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 ah, allez. Ouais, on retrouve notre chemin. Bah maintenant on sait qu'il faut aller tout droit. Hein. Ou un peu à droite ou à gauche. Je sais, c'est très frustrant de marcher dans le vide, je vous comprends. Ça l'est aussi pour moi. C'est affreux surtout.
D'accord, on va par là. Ça y est. Enfin, putain. Ça devenait relou. Ah voilà, là on est bien. Ok, on peut enfin sauvegarder. Ah, ça a pris que 11 minutes, hein. C'est pas mal. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Grosse vidéo. Très très grosse vidéo quand j'y repense. Bah de toute façon, non, vous pouvez le voir là. Sora niveau 55, Donald niveau 53, Dingo niveau 54. Je vais XP énormément. Je vais essayer de voir comment on peut battre Sephiroth comme ça. Je me le fais en plus. Je suis sûr qu'en battant Sephiroth et peut-être d'autres personnages, et même en faisant la coupe Hades, je me dis que déjà je gagnerai pas mal de niveaux. Mais je crois qu'aussi je pourrais gagner quelques Keyblade en plus. Alors en soi, si je peux avoir une meilleure Keyblade que ce que j'ai et qui me donne des MP et de l'HP ou plus d'attaque, je me plains pas. Clairement, c'est le truc auquel je me plaignerai de moins. Du coup, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une très très grosse vidéo en termes de scénario, on va dire, même si on n'a pas eu énormément de scénarios. Ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. Prochaine vidéo. De toute façon, quand on sera à la prochaine vidéo, très clairement, je serai au bout. Je serai presque. Ouais, je sais pas, vous verrez. En tout cas, je vais pas vous refaire vivre la galère du labyrinthe invisible. Hein. Je vais pas vous le faire. Je suis un enfoiré, mais pas à ce point. Bref. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce, c'était les Mikoupa. Et puis moi, je vous dis au revoir tout le monde.